travaille pas, vite. Je te garantis que tu vas gagner des sous avec cette faille, cette astuce, pas plus tard que maintenant, pas plus tard qu'aujourd'hui. Regarde surtout la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Salut poto, bienvenue sur ta chaîne YouTube. Bah ici, on partage astuces, stratégies, failles en paris sportifs du côté des bookmakers OneIsBet et ailleurs également. Donc si tu découvres la chaîne aujourd'hui seulement, abonne-toi, active la cloche des notifications, question d'être averti lorsqu'on aura posté des prochaines vidéos. Alors, je vais aller très vite les gars, très vite. Donc la faille va concerner les jeux de basket. Basket, basketball. Dès que tu arrives sur les matchs en live de basket, tu vas aller chercher IPPBL Pro Division que voici. Voilà, on va s'apesantir sur ces jeux exactement. Et je vais te donner l'astuce qui va te permettre sûrement de gagner à chaque fois, voire tout le temps, voire assez régulièrement. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais te rappeler que le lien vers notre communauté Telegram se trouve en description sous la vidéo. Le lien se trouve en description sous la vidéo. D'ailleurs, je vais rendre mon groupe privé parce que ce que je partage dans ce groupe-là, c'est carrément du lourd. Donc, je vais ramener le groupe privé. Tu vas pouvoir demander l'accès au groupe dès à présent. Donc, le lien se trouve en description sous la vidéo. Clique sur le lien, retrouve notre communauté. Question de rentrer vraiment dans le vif du sujet, d'aller plus loin. Si tu as envie de faire des paris sportifs, quelque chose qui va te permettre de ramener des sous tout le temps, régulièrement, chaque mois arrondi, la fin de tes mois, ou bien vivre même de ça, pourquoi pas, si tu es sûrement au meilleur endroit. Ne te fie pas à ce qu'ils diront, hein. Dans tous les cas, c'est à toi de voir. Donc, IPPL Pro Division, d'accord? Quand tu arrives sur ces jeux, les premières des choses, tu ne paries pas. Tu vas d'abord regarder l'heure. On est à 12h, à 13h37. Donc on est à 25 minutes. Donc le match a sûrement commencé à 13h10 par là. D'accord? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir, aller dans résultat. Donc on va aller chercher basketball. Dans basketball, on va aller chercher IPB. L Pro Division. Fais attention, il y a plusieurs. Il y a IPBL Pro Division chez les femmes. Il y a IPBL Pro Space Division. Il y a IPBL Space Division femmes également. Donc, on va s'intéresser Pro Division que voici. Et une fois ici, je vais aller dans historique. Je vais aller chercher le même jour de la semaine dernière. Donc, je cherche jeudi dernier qui était le 6. Je vais cliquer. Je vais ramener. Et ensuite, on va regarder l'heure. Je t'ai dit, on était à 13h10. Je vais chercher dans le match qui a commencé à 13h10. D'accord? Donc, je vais descendre. Je vais descendre. Bon, je ne sais pas si on va trouver. On a 12h là. On a 14h là. Donc, on a 12h10. Dans le match, en réalité, concerne quel match? Excuse-moi, je vais aller déjà. Je vais encore aller en live. Hein. Donc, je vais aller en live. Je vais aller résultat, je vais aller live et puis je vais aller chercher basketball, je vais aller chercher IPBL Pro Division dans le match opposé Osmos avec Krasnodar, d'accord. Donc je reviens, je vais à historique encore, je vais maintenant à basketball et puis je vais chercher IPBL Pro Division. Je vais aller chercher la semaine dernière, comme j'ai dit. Hop. Et puis, on va aller chercher le match qui s'est joué. Qui s'est joué à 12h. Pas 12h, à 13h. 12h quelque chose, 13h. Donc, on a 15h là. On a 12h59 là. Qui opposait Osmos à Krasnodar. Voilà le match en question. Donc, Osmos à Krasnodar. Tu vois, le même match s'est joué à... qui a commencé à 13h, ça s'est joué la dernière fois également à 13h. Donc tu te rends compte que ils avaient marqué beaucoup de buts, ils avaient marqué 46 buts premier carton, 43 buts deuxième carton, 22 buts 16, donc 38 buts troisième. Et dans le dernier, ils n'avaient même pas marqué. Ils ont vraiment peu marqué. Ils ont marqué à peine 32 points. Donc, je vais maintenant aller en live. Je vais aller chercher le nombre de cartons. On est exactement au dernier carton. On est au 1, 2, 3. Je vais aller chercher le dernier carton. D'accord? Dernier carton, je vais aller choisir maintenant. Total, moins de 53,
D'accord? 53, parce qu'ils avaient moins marqué dans ces cartons-là. Donc, on va essayer de prendre comme ça. De toutes les façons, c'est pas quelque chose qui va tout le temps marcher, mais en faisant exactement comme ça, tu vas voir que ça va marcher le plus souvent. Donc, je prends ces cartons-là, je vais prendre par exemple moins de 50, là, je vais faire une mise dessus. D'accord? Donc, je te rappelle que le meilleur code promo SkyCap, il est affiché à l'écran. Tu peux jouer avec moi avec ce code promo qui va t'offrir tous les avantages chez OneIsBet en 2023. Bonus premier dépôt, bonus chaque lundi, chaque vendredi, bonus anniversaire, cashback chaque mois, la possibilité de faire des paris gratuits avec des points accumulés. Donc, crée ton compte, déconnecte-toi de ton ancien compte, crée ton compte avec ce nouveau compte, avec ce code promo. Et puis, tu pourras avoir un compte made in 2023 qui va te donner tous les avantages de OneIsBet. Donc j'ai fait le pari, on va juste observer un tout petit peu et puis on va conclure. Je mets la vidéo en pause et on revient tout à l'heure. Donc je mets la... Et oui les amis, nous sommes pratiquement à la fin de la rencontre. Plus que quelques secondes, on a exactement 46 buts. Je t'ai dit, c'était une faille qui marche plutôt bien. Et quand ça concerne surtout la dernière période du match, ça marche plutôt bien. Donc ce que tu vas faire, je me résume. Je me résume, écoute très bien. Parce que vous, là, vous êtes toujours compliqué. Les gens vont venir m'écrire sur Telegram. Les gars vont venir m'écrire eBay partout là, dit qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que non? Écoute bien ce que je vais te dire, frère. Donc, tu vas prendre un match qui se joue à une X. Si à une X, je prends un exemple. Si le match commence à 12h ou à 13h, tu vas aller dans l'historique des paris. Hein? Tu vas aller dans la... regardez les... Le même match qui va se jouer, puisque les matchs se répètent. Le même match s'est joué la semaine dernière, à la même heure pratiquement. Tu vas voir les mêmes équipes. Tu prends les équipes, tu regardes le nombre de points qu'ils ont marqués, tu regardes même l'équipe qui a gagné. Ça te permet de prendre position. Rassure-toi, ça va marcher la plupart du temps, mais ça ne va pas marcher tout le temps. Parce que vous allez après dire aussi que tu avais dit que ça marche toujours. Non, ça va marcher la plupart du temps, mais ça va pas marcher tout le temps. Il peut arriver que ça ne marche pas. Mais les matchs sérieux sont les mêmes matchs qui se jouent chaque fois. Donc, il est très très possible que tu puisses regarder, observer le même résultat, le même phénomène. Donc, on voit le match sous les yeux et tu t'en rends compte qu'on a eu exactement moins de 53 buts. Voilà. Astuce hyper, hyper efficace, cumulée à un document que j'ai du côté de Telegram. Un document concernant les paris sportifs. Ceux qui sont intéressés, je dis bien ceux. Là, c'est pour ceux les plus résistants, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux qui sont intéressés par l'idée d'avoir ce PDF, vous pouvez me retrouver sur Telegram. Je vais vous envoyer ça gratuitement. C'est un PDF que tout parieur devrait au moins l'avoir. Tout parieur devrait l'avoir. C'est hyper important, frangin. Ok, je m'arrête là. On se retrouve très très bientôt sur Telegram, là, directement. Si tu as besoin de me parler, c'est sur Telegram, frangin.